jour de Gaza. Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024. Je vais parler aujourd'hui des massacres envers les scientifiques, les savants, les universitaires, les professeurs palestiniens. En fait, en 4 mois, l'occupation a assassiné 65 universitaires, savants, scientifiques, les élites palestiniens, et il a détruit 4 grandes universités, de destruction totale, et 12 universités et facultés ont été endommagées et détruites d'une façon partielle. Donc, un autre objectif de l'armée de l'occupation, c'est mettre la pression sur l'avenir de la jeunesse palestinienne, priver les Palestiniens de leur éducation, de leur scolarité, de leurs études, en assassinant 65 les meilleurs savants, universitaires, professeurs, scientifiques palestiniens de qualité. Ces scientifiques assassinés, ils ont été donc récompensés par des primes internationales et par des titres internationaux de beaucoup de pays du monde. Et donc, ça montre un peu que l'objectif de ce génocide, c'est mettre la pression et priver les Palestiniens de leurs cours et de leur élite et de leur savon. Donc voilà, avec la destruction des universités et des facultés dans la bande de Gaza. Donc voilà, situation terrible, s'ajoute à la situation humanitaire, s'ajoute au bilan très lourd après 4 mois de presque 27 000 morts et 69 000 blessés. Situation terrible humanitaire pour les déplacés, pour les Palestiniens, notamment dans la ville de Gaza et au nord de la ville de Gaza. Merci beaucoup, Ziad Midouk.